En plus de 50 ans, j'ai fait la connaissance de la Chine. Plus de 100 voyages, plus de 50 ans de relations suivies avec la République populaire de Chine. Je ne peux pas dire que je connaisse la Chine. Je ne connais pas sa langue et je connais un peu sa civilisation. Mais j'ai appris à connaître assez profondément le peuple chinois. Et je crois que nous, Européens, nous devons avoir une grande admiration pour ce peuple extraordinairement travailleur, extraordinairement intelligent et très mobilisé pour le développement de son pays. Et cela, cette méconnaissance-là, elle est naturellement due à la distance qui nous sépare, mais elle est aussi due à la complexité de la langue et à nos différences de civilisation. Tout ceci conduit quelquefois à une mauvaise compréhension. Beaucoup de caricatures peuvent exister. Et puis, finalement, il n'y a pas suffisamment d'échanges culturels. Bien sûr, la relation franco-chinoise est d'abord et avant tout une relation culturelle. Mais il nous faut encore avancer davantage pour comprendre mieux nos différences. Alors, quels que soient nos systèmes politiques, quelles que soient nos rivalités économiques, quelles que soient nos divergences culturelles, nous avons en commun essentiellement un message pour la planète. Ce message, c'est la protection de la planète pour la paix de l'humanité. Et cette paix de l'humanité, c'est un objectif commun que la France et la Chine peuvent partager.